Il faut savoir qu'à quelques centaines de mètres des premières parcelles agricoles, nous ferons exploser ces obus chimiques. Certes, des moyens importants sont mis en œuvre pour faire ça de façon très sécurisée et automatisée, mais ça pose tout de même quelques questions. Nous savons que le risque zéro n'existe pas, un incident est toujours possible. Il s'agit de protéger l'agriculture et de faire en sorte que l'installation de cette usine n'ait pas de conséquences néfastes sur l'activité agricole du secteur. Depuis le début des réflexions, la FDSEA et les riverains se sont préoccupés de l'avancée du projet. C'est là qu'on voit tout l'intérêt du collectif, parce qu'individuellement, sur le terrain, les agriculteurs avaient très peu de poids, comme les élus municipaux. Donc le groupe FDSEA, appuyé de la Chambre d'agriculture, a les moyens de mettre en place des groupes de travail et des réflexions. En 2013, il y a eu l'enquête publique. Nous avons posé toutes les questions qui pouvaient se présenter pour l'agriculture. Un groupe de travail a ainsi été obtenu. Il s'agit du groupe de travail État Zéro qui est coordonné par le DDT de l'Aube. Nous avons formulé plusieurs demandes, parmi lesquelles un certain nombre d'analyses de sol dans un périmètre autour de l'usine, ainsi que des prélèvements de certains végétaux pérennes et des prélèvements au niveau de l'eau. Un autre objectif est d'obtenir des garanties de la part de l'État et de l'industriel pour éviter que l'agriculteur soit victime du principe de précaution ou d'une perte de contrat, et qu'un agriculteur qui souhaiterait développer une nouvelle activité puisse le faire à proximité d'une usine de traitement d'obus chimiques.